Une femme en robe de mariée était enterrée dans la terre. Son mari prit une pierre et la lui lança. Puis son père, puis son fils. La femme hurla l'agonie. Les villageois, emmenés par le maire, applaudissent joyeusement. Puis ils ramassent des pierres et les lancent sur la femme. Les femmes vomissent, tandis que les hommes deviennent de plus en plus frénétiques. Au bout d'un moment, la femme s'est arrêtée de bouger. Son mari s'est avancé pour la voir et a constaté qu'elle respirait encore. Les hommes ont alors ramassé les pierres et ont recommencé à la frapper. Bientôt, la femme est morte. Son mari sourit de triomphe. Il s'agissait d'une punition pour les femmes infidèles dans le mariage. Cette femme a été piégée par son mari pour avoir simplement touché la main de son voisin. Le corps de la femme a été emporté par les habitants du village. Mais elle n'avait pas le droit d'être enterrée. On l'a laissée se faire dévorer par les chiens sauvages au bord de la rivière. Le soir, tous les hommes du village faisaient la fête. La tante de la femme est venue à la rivière pour chercher son corps. Mais en une seule nuit, le corps de la femme a été dévoré par les chiens sauvages. Il ne restait plus que quelques os.